très contente de vous retrouver avec Eden pour un nouveau mercredi des enfants. Et aujourd'hui, nous allons faire des petits oursons en chocolat. Donc, nous avons ce joli petit moule. Pour ceux qui vont me demander, c'est un kit que j'ai acheté chez Tati pour genre 3,50€. Donc, c'est vraiment pas cher du tout. Donc, nous avons ce petit, six petits oursons que nous allons faire. Donc, c'est parti! Vous allez avoir besoin d'un œuf, de 75 g de beurre, de 100 g de farine, d'une cuillère à soupe de lait, 65 g de sucre en poudre, et Ben est en train de casser déjà le chocolat, et d'une demi-tablette de chocolat. Donc c'est parti. Alors la première étape, on va préchauffer le four. Ah oui, il est coincé là-dedans, mon mio. On va d'abord préchauffer le four à 210 degrés ou thermos 7 pour ceux qui demandent. Pendant ce temps-là, la première étape, c'est de prendre du coup le beurre et de le mettre dans un bol et de le faire devenir mou. Donc au micro-ondes, vous pouvez faire ça à la casserole tout simplement. Titi, tu manges le chocolat? Ouais, tu crois que je t'ai pas vu? Je vais t'en donner un petit peu. Tiens, regarde, maman va couper. Tiens. Eden s'assure que le chocolat est bien comestible. Donc dans une casserole, enfin non, dans un bol, le sucre, les œufs et la farine. Donc on va commencer par le sucre. Donc le sucre, on a dit 65 grammes. Waouh, wow. Ça pleut du sucre. C'est parti, Hélène. Vas-y. Bravo. Ensuite, c'est moi qui m'en occupe, on met l'œuf. Waouh, on a mis l'œuf. Et enfin, on rajoute 100 g de farine. Prends la farine. Ouais. Et maintenant, on touille. Tiens, tu touilles avec maman? Chacun touille avec le sien. C'est parti. Donc une fois que vous avez mélangé, vous rajoutez le beurre que vous avez déjà fait fondre. Alors il faut qu'il soit mou, il ne faut pas qu'il soit fondu. Hein. Hop. Et c'est parti. Une fois que votre préparation est faite, vous en mettez une petite partie de côté qui vous servira à faire tout simplement les petites pattes de l'ourson pour qu'elles ne soient pas marron comme le reste du corps. Petite pause boisson pour Eden. Alors l'étape suivante consiste à mettre du lait et la moitié de la plaque de chocolat à faire fondre tout simplement. Non, le petit lait. On va gaspiller tout le chocolat? Mais non, ça va servir pour après. Alors une demi-plaque, un petit peu de lait. Un fond de lait. Donc on va mettre 2 cuillères à soupe. Vous faites ça fondre tout simplement à la cuisson et vous viendrez la rajouter dans la première partie de la préparation, donc avec la majorité, pour tout simplement obtenir la pâte toute prête. Donc j'ai rajouté le chocolat, je l'ai incorporé dans ma préparation. Bien sûr, je ne l'ai pas fait faire par Eden puisque la casserole est chaude et donc il est hors de question de prendre de risque. Mais pendant ce temps-là, Eden s'est encore une seconde fois assuré que le chocolat était toujours bien comestible. Je pense que ça se voit plutôt pas mal. Donc la première chose, nous avons donc 2 préparations, une pleine de chocolat et une qui a un petit peu bougé du coup entre temps sans chocolat. Donc avec une cuillère, je vais remplir avec Eden, et donc le petit pied monsieur, les petites pattes de mes petits oursons et après je vais venir remplir le corps avec ça. Donc je vais faire pour la partie du haut les petites pattes blanches et pour la partie du bas les têtes en blanc, comme ça ça fera un petit peu différent. On va voir si on arrive à remplir les 6 cases, mais normalement ça devrait être bon. Je pense qu'on pourrait faire une deuxième fournée sans souci avec les dosages. Voilà, vous pouvez compter double. Donc maintenant, on va mettre ça au four. Donc vous laissez ça au four pendant 10 à 15 minutes à surveiller à bien sûr toujours 210 degrés. C'est parti. Et voilà les amis, nos petits oursons au chocolat sont juste ici. Donc pour vous montrer d'un petit peu plus près, ce qu'Eden va déjà en piquer un. Si vous voulez manger. Donc on leur a fait les petites pattes et pour certains, on fait la petite tête. Alors c'est vrai que la partie blanche... petit gourmand, est-ce que ça se mange? A un petit peu coulé, ce qui fait que certains sont plus ou moins en chocolat. Donc c'est plutôt mignon, un petit tour, c'est bon. On goûte maintenant? Voilà, on espère que
que cette petite recette du mercredi vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut, comme ça, ça nous motivera encore plus avec Eden pour faire d'autres mercredis des enfants. Tu veux les manger toi, hein? On vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ensemble. On vous fait tout plein de bisous. Au revoir!